Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Coliseum. On joue en Xalor Orotrepea, Yopter, Enerypsa Feu contre Heliotrope, Enerypsa SRAM avec des codes de 4657, pas de code et 4629. Bon, je les ai déjà affrontés tout à l'heure, ceux-là. Je m'en étais pas trop. Vraiment, j'ai des persos déco là. Ah oh, ça c'est terrible par contre, on va y aller comme ça, comme ça. Je vais lâcher une des synchros ici. Et je vais venir Prémo. Flou le yop. Je vais venir là. Terrible hein, les déconnexions intempestives. Bon du coup je passe pas le tour avec le Xelor, mais comme je suis toujours short sur mes tours 2. C'est assez terrible, je sais pas ce qui se passe en ce moment, le jeu est hyper instable. C'est assez pénible. Bon, ça va que c'est le début du combat, des fois ça peut perturber des affichages de délai de relance ou il peut y avoir des petits bugs comme ça. Bon là pour l'instant ça a l'air d'être ok. Bon du coup j'ai pas trop suivi le début du combat, je vous avouerai. On va faire au mieux quand même. Ça va, ça n'arrive pas à un moment critique. On va fureur, puissance, maîtrise d'armes. Et sentence. Et je pense que je vais rester là avec le Yop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du SRAM en face. Ah, il y a surtout de l'Hélio. Bon, le SRAM, il me semble, si je me rappelle bien, qu'il est. C'est un SRAM Terre assez classique. Et l'Hélio, j'avais pas bien vu. Je suis tombé contre eux juste tout à l'heure là, mais. On n'avait pas tellement joué en fait. Hein. Le combat, c'était un peu un no match. On va voir ce qui se passe ici. Bon, ça se full boost. Jusque-là, tout est assez normal. Je vais y aller comme ça. Oh, j'ai fail mon lapin! Ça, c'est pas souvent que je fais cette connerie. Bon, bah, super. J'ai été perturbé par la déco, en fait. Je vais avancer pas mal, je pense. Bah, il manque un soin en fait. C'est très sad. Hein. Bon, le combat commence très très mal. On se fait déco, on oublie les PA sur le lapin. Bon, j'aurais dû avoir un soin de plus sur Lenny. C'est assez fâcheux. Bon, Lenny qui joue après moi. Ça va mettre pesanteur, on connaît. Le SRAM qui reste. Ok. Ouais, bon, c'est pas très gênant. Je vais momif. Je vais mettre le cadran ici. J'ai envie d'avancer à fond en vrai. Ah, eh bien, on a trouvé un petit héliotrope. Pas mal ça. L'Hélio était donc ici, bien caché, le coquin. Alors attendez, c'est intéressant parce que ça veut dire que je peux aller all-in avec mon Yop éventuellement si l'ennemi ne le déplace pas. Ah, c'est une chips, hein. Bon, c'est du mode. C'est encore pire que les one-shot classiques là, c'est carrément le pre-tech invisibilité. Prev, il a pas bougé, déroutant, il a pas bougé, pour l'instant il est là. Hein. L'ennemi n'a pas beaucoup d'outils de déplacement donc en principe, là je vais pouvoir le tomber. De la ralliement, donc il est là. Ça devrait faire des trucs sympas là, je pense. Faut que j'avance de 6 cases avec le Yop. On va y aller comme ça. Il est là, normalement. Le sixième sens, les amis. C'est pas mal. En vrai, je peux presque épée de Yop comme ça. Ou alors juste on met une concentration. Une inti là-dessus. Et il faudrait que je stack la fureur, on va la mettre sur le lapin.
Ok, bah apparemment c'est la méta. Hein. Moi, le colis d'avant, je me suis fait une shot par un SRAM invisible. Là, je tue un mec invisible. Tout le monde est invisible, c'est la fête. C'est parfait. C'est vraiment. c'est un régal de jouer en colis. Tout ce que j'aime, hein, vraiment, y a pas à dire. C'est super. Le SRAM qui met de la pesanteur. Tout va bien sur Dofus. Hein. La méta est absolument normale. C'est tellement. J'ai tellement la sensation que le jeu n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque où j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à travers le colis. Ça m'attriste un peu, mais. J'essaie de pas être trop négatif et de me dire il faut que j'essaye d'accepter ça et de voir s'il y a peut-être quand même des belles choses à faire encore en PvP en acceptant de jouer dans les nouvelles règles en fait, mais c'est quand même particulier quoi. Bon. Il fait son petit réseau le SRAM, ça peut me faire un peu mal. Ok, bon ça va, c'est moins violent que les one-shots que j'ai pu me prendre par le passé. Ah non, il a pas fini, je me disais aussi. Ah oui, ça c'est déjà plus violent. Il va falloir que j'aille isoler les nids au max. Je crois qu'on va y aller très simplement. Hein. Il va où les nids? Il va là. On va y aller en mode 0 de QI. En vrai de vrai, je peux sablier. Et en remettre un sur le SRAM. Je savais plus c'était lequel, donc j'ai cliqué sur la timeline en bas. C'est pas plus mal. Voilà, histoire de garder le yop éventuellement, ça pourrait me servir d'avoir mon yop. Bon, je peux aller chercher le SRAM en principe. Est-ce que j'ai besoin de me Vita? Je peux tout à fait y aller comme ça. Je peux le souffle. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse plus confiance à mon Rox. Des fois, j'ai tendance à penser que je vais pas passer de kill. Faut que je check les ivoires aussi dans 4 attaques. Ok, je suis fine. J'aurais même dû commencer par là. 3 attaques. Je peux concentration. Fureur. Et ça passe. Sans précis. Parfait. Bon, bah, ça, c'est les modes dégage à hache. Hein. Il y a des malus de res mêlée, donc forcément. Vas-y, je vais pas lui faire l'affront de soigner mon Yop. Oh, quoique, si je peux juste faire un solidarité. Ah, puis de toute façon, faut que je remette les abnégations pour si je veux accélérer le clear du combat, donc c'est pas plus mal. On va y aller comme ça. Ok, bon, bah il y a eu le petit fail du lapin au début, la déco qui sortait un peu de nulle part, mais sinon on n'est pas trop mal, on va dire. Je peux même venir comme ceci. Là, je prends mon ébène mêlée. Ça, c'est tout l'intérêt, le petit move là que je viens de faire, c'est tout l'intérêt du mode. Avec de la fuite et en ébène dommage distance du Xel. Je peux y aller comme ça, je peux double pétrif en vrai. Ou alors juste pétrif horloge, ouais, c'est pas mal. Ok. GG. Bon, ça fait 2-0, mais le kill de l'Hélio invisible était assez stylé à placer, je vous avouerai, assez plaisant. Allez, la petite fureur full boost. Bon. Bien écoutez, fin de ce. Ah, on est encore resté bloqué dans le combat. C'est terrible hein, ce qui se passe avec la stabilité du jeu. J'arrête pas d'être déconnecté sur tous mes comptes. C'est la fête. Bon. Après, être déco en fin de colis, c'est pas très grave, mais quand c'est pendant le combat, c'est un peu plus pénible. Voilà, bon les amis, fin de cette petite vidéo qui était pour le fun, hein, plus qu'autre chose. C'est pas tous les jours qu'on one-shot des héliotropes invisibles, donc bon bah. On profite, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.